Il y a une piscine au troisième étage, mais ici on la voit pas. Et notre chambre. Du coup, c'était censé être que là. Et du coup, c'est là et là. Première matinée à Tulum. Alors là, j'ai mis mon premier ensemble. Chine, ça, haut, bas et Paris haut. Je surkiffe parce qu'on va dans les cénotes aujourd'hui. Donc, on disait que ça allait aller avec les couleurs. Et regardez, ça match avec my nails too. Ok, donc là, on vient de sortir de l'hôtel, on a loué des petits vélos pour la journée, histoire de se déplacer plus rapidement et aussi de ne pas prendre de taxi. Ouais, voilà, parce qu'on a bien mangé. Et donc ça, c'est notre hôtel de l'extérieur. Ça, c'est pas notre hôtel, hein. Mais ça, c'est notre hôtel. Il est magnifique. Jihan ! Mais en vrai, on retourne à l'hôtel pour aller commander un taxi. Parce qu'en fait, ici, les routes, il n'y a pas de chemin. J'ai demandé à l'hôtel une map, ils ont pas de map. Donc on doit se démerder à trouver et le GPS il trouve pas. Donc on va tourner dans tous les sens pour rien. Sachant qu'on a un programme chargé pour ma birthday. Donc voilà, on peut pas se permettre de perdre du temps. Il y a une qui est passée à la casa là. Alors en fait, ils sont en train de parler sur nous. Ils sans savoir que c'est nous. Ouais, sans savoir que c'est nous. Ils ont dit que la 103, elle était occupée en fait. Et en fait, c'est pas le mec, il était choqué, genre il a dit comment ça la chaîne 3, il a dit bah il y a des valises et tout genre. Et donc il a dit bah, qu'ils avaient oublié de fermer la porte principale genre. Donc c'est-à-dire notre suite magnifique. Donc faut qu'on trouve. Et donc là on sait pas ce qu'on va faire. Voilà. Genre, on sait pas ce ou bien on leur parle. Non mais leur... s'il te plaît, c'est mon anniversaire, je veux quand même, ils peuvent pas nous faire ça. C'est pas possible. C'est impossible. En fait, on est arrivé au cénote et en fait, il n'y a que du cash. Ça veut dire que nous, on n'a jamais de cash, on a toujours la carte. Trop belle. Wait for. donc, du coup, là, on va prendre un taxi avec des compagnies pour retirer de l'argent pour pouvoir payer l'entrée. Donc voilà, on s'est fait des potes. Magnifique, bien sûr, dans la cocasse waterproof. Regardez cette perspective, c'est trop trop beau. Moi je vais aller dans la grotte. Regardez comment c'est bleu, ça sent la maison encore une fois. Je suis trop contente de mon choix de couleur. Là, c'est des chauves-souris. Je sais pas nager avec un gilet de tartare. Bah t'as même pas besoin de nager, t'as juste à battre des pieds. Là, Marie qui est en train de jouer avec le poisson. Ah non, elle est en train de... L'éclairage n'est pas bon. Bon, du coup, on vient de finir le cénote. La cénote, elle était magnifique. De toute façon, je pense que vous avez vu. J'ai adoré, on a fait des trop belles photos. Donc rendez-vous sur Insta. Et là, on va... Regardez notre restaurant pour le petit déjeuner sur la plage de Toulouse. Regardez le type d'ambiance, le pied dans le sable. Le petit déjeuner, j'ai pris des pancakes avec du chocolat chaud. Du chocolat chaud sous 40 degrés, bon chance. Là, j'ai trouvé chilaquiles. Qu'est-ce que j'aime ça. Tous les matins, je prends ça. Et le petit cappuccino. Donc là, on attend le jus de fruits, la salade de fruits et peut-être des enchiladas. C'est pas magnifique. Le cadre, ce... déjà, il est magnifique. C'est ça. Ce genre de cadre pour le petit déjeuner, c'est ouf. Bah healthy avec un jus vert, concombre, etc. Alors que derrière je me tape genre vraiment du fromage fondu de partout, genre. C'est trop ma vie. Je crois que je suis pas tout seul à être hypocrite. Hein. Non mais je suis hypocrite je crois. Des folies. Franchement c'est trop. C'est quoi enchiladas? Genre c'est leur petit déjeuner des enchiladas et chilaquiles. Donc j'ai envie de tester dans les autres restos pour voir à peu près bah, c'est quoi le vrai goût quoi. Si j'en ai mangé des ratés, des mauvais ou des pas mauvais. Donc, ça je vois la différence.
qui? Regardez comment c'est beau! On est monté, nous, notre lit est juste en dessous. Et là, on est monté au-dessus, c'est trop mignon. Regardez, il y a un petit escalier fait avec les arbres et le bois. Oh, c'est trop choupinou! Vraiment, je kiffe ma vie. Alors, en Vienne, on kiffe notre vie. Par rapport à la suite auquel on n'avait pas payé de base parce qu'on était censé avoir cette petite chambre. D'ailleurs les lits on les touche même pas, genre ils sont toujours faits. Et du coup il s'avère que c'était vraiment une erreur, on le savait, je l'ai senti. Et du coup, sachant qu'ils ont laissé la porte ouverte, genre qu'ils nous ont fait croire qu'en gros la grande chambre était pour nous, bah impossible, ils nous enlèvent en fait. Donc nous depuis on est les lucky girls de l'hôtel, genre à la réception et tout, ils nous appellent les lucky girls parce qu'on a de la chance. Et du coup, on a réussi à soudoyer un mec de la réception parce qu'on leur avait demandé, sachant qu'on a tout, est-ce qu'ils peuvent nous ouvrir la terrasse pour la piscine en fait. Enfin, normal, tu vois, t'as un jacuzzi, tu le vois de tous les jours, mais tu peux pas l'utiliser, genre c'est relou. Du coup, il voulait pas et tout. Et du coup, on a attendu le soir de trouver un mec qui était plutôt gentil. Et du coup, il l'a ouvert. Alors que vraiment, genre, impossible. J'ai tout essayé avec un couteau et tout, ça ne marchait pas. Et voilà. Et c'est le meilleur anniversaire, comme par hasard, il me l'ouvre le jour de mon anniversaire. Genre, on était arrivé la veille, il voulait pas. Oh oh, c'est des araignées. Oh, je suis propre. Regardez comment c'est tout mignon. Feel like one.